Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon, toujours dans le même endroit, toujours dans le même truc. On va juste regarder un petit peu quand même le nombre de munitions qu'il nous reste. Je ne sais plus du tout, faut que j'aille voir pour ça. Ce ne sera pas là. Là non plus. Pouah, je sais plus. Non. 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 Module. Contrôleur de collecteur, injecteur de super thermique 1 sur 2. Et contrôleur de collecteur 1 sur 5, ça je comprends pas. Et sinon, voilà. Rétention de l'énergie 1 sur 3, d'accord. Ok, je vois déjà qu'on a des gens dans le coin. Pour commencer à se mettre en mode bourrage et en mode pinage. Pour ceux qui connaissent. Hop, voilà, plutôt c'est comme ça. Je suis en train de bugger sur le fond. Ah, agent fédéral, bonjour. Ah, bah ça tombe bien, c'est toi qui me scanne. Appel Clipper. Je regarde quand même si j'ai quelque chose dans le. Non, j'ai que des drones. Appel Clipper. Bouclier de la justice, c'est quoi? C'est un Eagle. Appel Clipper. Je vais plutôt me balancer sur un Appel Clipper. Tu sers vraiment à rien, toi, tant mieux, merci. Tu gaspilles mon temps. D'accord. Et tu gaspilles le tien. John, de cool. Hop. Salut John. Tu permets que j'essaie de te contourner un petit peu. Ah bah attends, ça tombe bien. Ok. Et boum. Je sais pas si ça a touché, j'ai encore un doute. Hop. Crac. Voilà. Ah, il va pas la toucher celle-là. Il s'est retourné. Oula. Hop. Comme ça, vous voyez qu'on est un petit peu en fait toujours dans le bleu. Même quand je booste pour la pousser. La poussée verticale, c'est ça, oui. Je suis un petit peu light niveau munitions, enfin pas munitions mais plutôt armement. Ah, je crois qu'il a eu un bug de générateur. Ah putain, par contre il est chaud à avoir. Hein. Ah bah non, bug de générateur ça m'étonne avec 95%. L'IA n'est pas si permissive. Hop. Prépare-toi à mourir. D'accord, ok, oui, non, je pense pas que ça arrive. Soyons honnêtes, tu es un petit peu mauvais. Ah, je l'ai encore raté. Il a un profil qui est quand même assez léger. Assez petit vaisseau, hein. Oula. Non, je me suis fait attaquer, je crois que j'étais attaqué par autre chose, honnêtement. Mais bon, je me trompe. Cela dit, je vais quand même lancer un petit coup de bouclier parce que j'arrive, je l'ai perdu. Je l'ai complètement perdu. Donc on va essayer de partir en arrière, voilà. Il est quand même plus agile que moi, hein, faut le penser. Faut y penser. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes canons qui tirent pas devant comme il faut? Il s'enfuit ou quoi? Ne me dis pas que je recule trop vite pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Me dis pas que j'ai encore passé à côté, si. Là ça touche pas. Voilà, là j'ai touché. Là je suis sûr d'avoir touché, chers amis. Allez. Fais-moi le plaisir de mourir. Hop. Crac. Essayons d'être plus agile que lui en fait, c'est ça le truc. Elle est là l'astuce. Elle est juste là l'astuce. Hop, allez. Ah vache, il est bon. Il est très très bon. Si je baisse le dernier point que j'ai dans les moteurs. Aha! Peut-être être un peu plus audacieux là. Putain, je l'ai encore loupé.
Ok, marche arrière. Marche arrière, marche arrière, marche arrière, ça vaut pas le coup de se mettre en danger. Bêtement. Ok. On va être bon. J'ai pas l'impression de toucher autant que je devrais. C'est rigolo. Je sais bien que j'ai pas tout en armement, mais quand même. Voilà, ça devrait être bon. Est-ce que il avait quelque chose d'intéressant, n'empêche, sur lui? Alliage précipité, distillerie, métal de bouclier, cristallisation, brolémite. Bromélite, pardon. Non, il n'avait rien sur lui d'intéressant. Donc on ne va surtout pas retenter l'expérience. On va plutôt chercher un truc qui nous intéresse. Un adder, ça peut être intéressant. Les adders peuvent être intéressants. C'est possible. Ça existe. On en a vu dans l'histoire. Alors. S'il pouvait se déplacer de manière correcte, que je puisse le tirer en one shot. Mais clairement, l'accélérateur à plasma n'est pas bon. Ouf. Ça lui a chauffé les cheveux à celui-là. Oui, parce qu'un adder a des cheveux. Hein. Je précise quand même au cas où que certains ne le savent pas, mais. Oh bon. Hop. Voilà. Crac, allez, viens voir papa. Oh nana, petit vaisseau à la mort malneux. Hop, crac, allez c'est parti. Voilà, problème résolu. T'avais des choses dans le bide justement toi. Rien d'intéressant, génial. Bon, ça commence assez mal. On avait un ASP scout, pardon, excusez-moi. Je suis un peu moisi aujourd'hui. Ok. Un ASP scout dans le coin. Non, apparemment, ça n'était pas suffisant. Ah la vache! Au-delà d'un kilomètre, on m'avait dit qu'il fallait même pas chercher à tirer. Voilà, là ça touche. Voilà, et là ça retouche. Merci. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Alors, processeur chimique. Ah, intéressant. Alliage récupéré, alliage de phase. Non, processeur chimique, juste ça. Ça m'intéresse. On va essayer de le choper en mode un jour je l'aurai. Il est à 500 mètres. Alors, on m'avait dit de faire attention à mes tests, surtout à la couleur des rayons au niveau de l'indicateur. Alors, écoutez, je vais vous faire confiance, chers amis. Et vous m'avez dit de rester en dessous de 10. Oui, ça marche! Merci, chers amis! Merci, c'est grâce à vous tout ça. Ah, cool! Ah, Douglas, tu me scannes, Douglas? Ou tu m'as scanné, Douglas? Pourquoi, Douglas? Pourquoi? Mon petit Dougie. Pas comme ça que les mouflures ont agraillé. Il s'exprime bien, celui-là. Bon, il s'enfuit. Les Sidewinders, ça va pas être intéressant. Le piton. Ah, bah voilà. On avait dit que dès qu'il y avait un piton, fallait qu'on aille voir. Écoutez, on va pas se faire prier. Allez, montre-moi son générateur, s'il te plaît. Si je me loupe pas, je peux faire beaucoup de dégâts à son bouclier. Par contre, ce serait bien que je range ça. Milena Xanders, c'est toi? Oui, c'est toi, d'accord. Ok, donc ça pue déjà parce qu'elle m'a déjà dans les lignes de mire. On va attendre qu'elle finisse de me scanner. Ok, merci pour l'insulte. Hop, voilà. Crac.
On l'a pris extrêmement cher d'un seul coup. Hein. Allez, allez Marcus, allez redresse. Allez, c'est une question de timing, redresse Marcus. Hop. Ah. Ah, 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 ah. Allez, vas-y, tourne, Simone. Allez. Boum. Et t'es fichu. Ok, merci d'être venu. Combien de densité, processeur chimique, émetteur de boucliers usés, cristaux de focalisation. Rien de comment, de ce que je recherche en matière de d'armement entre guillemets pour l'armement. Composite haute densité. Non d'accord, y a rien. Ok, dommage. Oh là, je suis passé à côté. Mince. Bonjour. Profiter pour remonter un petit peu tout. Vache. Ah, elle m'avait dit que c'était vraiment en dessous de 10. Hein. Ah, mais je l'ai poussé du coup. Regardez les missiles qui partent là-bas, à droite. Ok, on l'entend bien frotter là par contre. Ok, merci. Merci les amis, c'est grâce à vous que ça se passe aussi bien. Donc apparemment Mual et Teldorn se battent. Personnellement j'ai plus d'envie de meurtre sur la SP Explorer. Oh je touche. Oh bonjour. Et il y a masse de processeurs chimiques, je crois. Non, il n'y en a qu'un. Ah, j'ai cru en voir une quantité complètement phénoménale. Dommage. Oh, le boom. Quand dans ton cœur ça fait boom. Ah, la magie. La magie de ce tir. Par contre, non, faut pas exagérer non plus. Voilà. Je vais taper dedans, ça continue. Voilà pourquoi je suis passé au-dessus. Allez, Arthur, Simon. Hop. Où est-ce qu'il est ? Simone, le machin il flotte loin de toi, Simone. Allez, Simone. You can do it, Simone. Mais non, pas sur le pare-brise. Tape pas avec le pare-brise. Quelle est bête. Mais il s'éloigne. C'est bon. On le rattrape. Petit à petit, on le rattrape. On y est presque. Oui ! On l'a eu. Bon, toi. T'es le seul qui reste dans le coin. T'es déjà bien endommagé en plus. C'est con, il faisait une belle ligne droite. Dis-moi que tu coupes pas ta ligne droite. Ah, je l'ai loupé. Fais chier. Allez. Cesse. Oui, ça touche. Oh, ce sniper. Il a plus pris que moi, hein, cela dit. Hein. Faut pas se voiler la face. Il a bien plus pris que moi. Hop. Il me tourne le dos, le sac. Non.
Je ne te laisserai pas t'enfuir. Tu as mal cru. Contact! Putain, je l'ai raté. Ah bah oui, je m'y mets aussi maintenant, moi, y'a pas de soucis. Hein. On m'a expliqué qu'il fallait juste que je mette mes boucliers avant, et après c'était bon. Si je mets 4 points en bouclier, c'est bon. Bah écoute, moi, c'est... ça me semble bon, hein. Si on me dit ça. Boum. Tiens, vas-y, explose. Merci. Alors, non, rien du tout. Bon. Bon, c'est dommage. Faut quand même mettre un peu de puissance dans les boucliers parce qu'on en a pris quand même plein la boule. Hein. Plein la boule. Hein. Bon. Alors, on a un Sidewinder. Un pauvre petit Sidewinder qui va rien avoir sur lui. Ouf, pardon, excuse-moi. T'as du bol d'être hors de portée de mes canons. Bon, par contre, lui, il mine, hein, clairement. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. Et dans mes boucliers, ils sont un petit peu longs, hein. Bah, bah, bah. Alors, alors. Un Sidewinder. Ah oui, il est juste là, regardez-moi ça. Hop. Boum. On se planquait derrière le truc. Wouhou. Salut Simon. Ferraille mécanique, équipement, composant conducteur. D'accord, rien du tout. On va s'en aller voir par là. Craig. C'est pas les débris que j'ai fait. Si, c'est les débris, ça. Ça, c'est mes débris. Ok. Y'a Craig! Super Craig! Pour ceux qui ont vu la bande-annonce de l'Annale du Destin. Enfin, de Fractured But Whole. Non, vraiment rien d'intéressant pour le coup, là. Ok. Alors, on va essayer de le sniper. Ça touche! Oh là là! Ça touche, chers amis! Boum! Oh, ça c'était beau. Ça, je suis désolé, c'était beau. Hein. Plaque de dissipation thermique, c'est pas ça qu'on cherche? Et il y a le câblage qui va avec aussi. Apparemment. Oui, par contre, j'aimerais bien le récupérer, donc c'est par là. Merci. Je suis con, je le fais exprès. Je sais pas trop. Ok, on va essayer de la voir maintenant. On est à moins de 50 mètres. Il frotte. C'est ce qu'on appelle un frottis, chers amis. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais à mon avis, vous le savez tous. Je vous parle de ces choses. N'allez pas mettre frottis sur internet, vous risquerez de tomber sur des choses bizarres. Ok. Putain, la vitesse de mouvement du truc de glace, quoi, c'est incroyable. Ok, il est juste là. Oui, parce que là, en fait, je bouge pas, moi. Hein. C'est le truc qui tourne. Je précise quand même, chers amis, pour vous, mais... C'est le truc qui tournait, à la base. Hein. C'est pas moi qui bougeais. C'est eux qui tournent, comme ça, à cette vitesse. C'est bon, ça frotte. Le petit frottis. Voilà, c'est bon, on l'a récupéré. Il y a Cheddles qui est un fer de lance, qui risque d'être un petit peu plus coton à abattre. Soyons honnêtes, hein. Il va falloir être précis si on veut le faire. Ou être plusieurs, ça dépend. Ah, c'est un novice. Ah, quoique. Oh merde, il a sauté.
Il a sauté, dommage. Ah non, Cheddle, le voilà. Je pense peut-être que j'ai un peu plus vite que ça. Allez, rentre. On vise le générateur. Ok. Oh, il se fait toucher. Il est attaqué. Parce que je sens ce que je dirais être des eagles, chers amis. Ce qui veut dire que normalement à 3 ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais là pour le coup ils vont pas aller loin, je pense. Ah si, quand même. Que je ne me prenne pas de balles perdues, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage d'égratigner la peinture. Ok, alors. On va essayer de le sniper quand même. Ça l'a pas touché. Boum! Non! T'as vraiment cru qu'on te laisserait t'échapper? T'as vraiment cru qu'on te laisserait t'échapper? Et boum! Boum, j'ai dit! Ok. Un cristal de phase, ah, rien du tout. Pouah. Ok. Oh, alors vous, vous passez devant moi, mais vous avez pas peur. Hein. No fear, hein, les mecs. Hein. C'est vrai que vous avez gagné que grâce à moi. Hein. Oh, t'as du bol. Tu l'as esquivé sec, celle-là. C'est quoi, hop. Et moi je vais te viser, je vais pas te louper, tu vois le truc. Et oui, il y a pas d'amende. De deux. Ok. Et mes tourelles, regardez mes tourelles, ce qu'elles ont fait. Ils ont bousillé ses boucliers. Et... l'efficacité de cette tourelle n'est plus à prouver, hein, clairement. Hop, les... oh là, jolie manœuvre. Jolie manœuvre, t'es mort, mais jolie manœuvre. Émetteur de bouclier usé, pardon, pas rusé. Alliage de phase, protection. Non, rien à... oh, t'as dans des choses. Rien d'intéressant. Bon, 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 bon. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Vu qu'il n'est pas très productif au niveau de la quantité d'objets récupérés, je pense qu'on va pas trop le pousser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait un peu plus d'action. Je suis content d'en trouver un petit peu la chasse. Faut que je retrouve un petit peu les capacités que j'ai avec ce piton à combattre. Simplement parce qu'en fait, ce n'est pas un vaisseau de chasse. Hein. Parce que ce n'est pas un avion de chasse, donc c'est un vaisseau de chasse. Donc, du coup, oui, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire. Donc, du coup, peut-être récupérer le Vulture. Je ne sais pas encore. On reverra ça en tout cas dans les prochaines vidéos. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Et n'oubliez pas un like et un abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Salut !